going to Est-ce qu'il est d'accord que Jésus-Christ soit son maître, le maître de sa vie? You won't be agree that Jesus has to be the master of your life? Yes. Très bien. Oui. Sur cette déclaration, for this declaration, Dieu ne fait rien sans ta décision. Because God doesn't do anything without your decision. Voilà. Parce que la délivrance a ses désirs. Yeah, for the deliverance as you are to die. Voilà. Comme tu l'as accepté. Because you accepted him. Que Christ soit le maître de ta vie en bas là, c'est son Jesus, that Jesus be the master of your life. Voilà. Yes. Maintenant, c'est toi qui dois renoncer aux pratiques. Tu dis, même si tu ne les connais pas, ce que les parents ont fait, américains, indiens. Les parents ont fait des choses, il faut renoncer. Désormais, tu ne te retrouves pas dedans, tu ne te reconnais plus dedans. Et que ton père, ton Dieu, Jésus est ton Seigneur, et que ces pactes soient brisés. Ok, maintenant, tu dois renoncer. Everything your parents did on your life, because maybe you don't know, but you are Native American, your parents or great great parents, maybe they do some stuff. On appelle ça Native American, yeah, because you are Native American, and your great great parents maybe did in my life. The one I know, the one I don't know, I renounce everything. Now I accepted Jesus as my savior. I renounce everything. My parents, my grandparents, ever done to me. Je renonce tout ce que mes parents ont fait dans ma vie. Mes ancêtres. J'accepte Jésus comme mon sauveur et mon droit. Mon Seigneur. My Savior, my Lord. Renonce à ses pactes. À renonce. I accept Jesus as my eternal Savior. Okay. Je renonce tout ce qui a été fait dans ma vie et j'accepte Jésus comme mon éternel Sauveur. Donc, if you prie maintenant, Seigneur Jésus. Repeat. Lord Jesus. Aujourd'hui. Today. Accept you. Comme mon Sauveur. As my Savior. Et Seigneur. And Lord. Désormais. Now. From now. Je te cède le trône de mon cœur. Entre dans mon cœur. Come to my heart. Je vais te servir. I want to serve you. I'm going to serve toute ma vie, te servir. Je cède ma vie. I surrender my life to you, Jesus. From now, from today. Tout ce qui a été fait depuis ma naissance. Everything has been done during my life, my entire life. Everything I've done during my entire toutes les pratiques. Life. Every practice. Occulte, satanique, démoniaque. Occult, démoniaque. Je renonce à ça that au nom de Jésus. That done to me, I renounce it to. I renounce any satanic or occult that's been done to me. I renounce in the name of Jesus. Aujourd'hui, today, ma vie doit prendre une tournure. My life has to turn avec Dieu. My life has to take it with donc, God. Donc désormais, Jésus. Today, my life has to take a turn with God. Alors, tu prends la destinée de ma vie en main. Take the destiny of my life now. Jesus. Take the destiny. Si cette déclaration. From this declaration, j'accepte comme une action. From this declaration, I accept that they do one action. I accept. So you can do cette action. Yes, I accept it. Pour briser. This action to break. To break. I accept this action to break. Qui a été fait sataniquement sur ma vie. All the satanic action that have been done in my life. La puissance de Jésus-Christ, je brise la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, cette action.
je brise au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jacques 5, verset 14, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église qui prient pour lui en loyant lui. En loyant lui, c'est notre déclaration. Jacques 5, verset 14, je brise le jour de la malédiction qui, n'est-ce pas, affectait, n'est-ce pas, tes affaires, tes finances, qui casse du bar. Je détruis cela au nom de Jésus parce que tu viens d'accepter Jésus-Christ et cet pacte d'influence de ces esprits, oui, des esprits des parents sur ta vie est détruit. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, désormais, je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. Ton âme, ton esprit est désormais entre la main du Seigneur. Au nom de Jésus, consacré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, la restitution de tous tes biens. Le diable te restitue tous tes biens. Désormais, ta destinée est confiée au Seigneur. Et que le Seigneur ouvre les portes de la grâce. Je déclare maintenant la puissance de Dieu désormais sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Merci pour ta grâce que je connais sur sa vie. Merci de le bénir au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je le déclare libéré par la puissance qui est dans le sang de Jésus. I declare you free from the prince of Jesus Christ. J'ai une confiance. Je libère toute ta destinée. I free all your destiny. Je déclare consacré. I declare you consacred. Au règne de Dieu. In the reign of God. Jésus-Christ règne sur ta vie. Jesus reign your life. Consacré, être enfant du Seigneur, enfant de Dieu. Child of God. Car l'héritage du Seigneur. The heritage of God. Désormais tes affaires vont reprendre. Now on your all the business will work. Your life. Va briller la gloire. Gonna shine. La richesse. The riches. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que Dieu te sépare des mauvaises connexions. God save for the bad connection. Et qui te fait rencontrer des bad gens people. Qui vont te faire entrer dans la gloire. Can you meet your good people? Au nom de Jésus-Christ, je te établie dans la gloire, establish dans la richesse, and the riches. Dans la prospérité. Glory. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, sois béni. Maintenant, on fait ce qu'on appelle une action prophétique. Voilà, c'est pas seulement au noir, les blancs sont besoin de Jésus-Christ. Et ce que nous faisons par la grâce de Dieu en train d'aider les gens, il a fait soit filmé, sur des choses on le fait en privé. Shalom à vous. Quelle est son impression? Je me sens bien. Ah, thank you God. Thank you God. Ouais, il est mon fils spirituel pour lui dire. Okay, is now your spiritual father. Okay. God bless you. God bless you. Thank you.